Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Votre coach motivateur, Aboukone Abeka. Bienvenue sur la plateforme Munuku Live de notre cher Christian. Alors, avant d'entamer le sujet du jour, comme d'habitude, je vous encourage à continuer à vous abonner massivement et également à partager tous les contenus que nous faisons. Alors, sans plus tarder, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le suivant, les deux mondes dans le monde. À première vue, c'est un thème qui allait un peu hermétique, mais on va le décortiquer ensemble pour que vous puissiez mieux le comprendre, d'accord? Quand on parle de deux mondes dans le monde, ça veut dire que nous sommes dans un monde où chacun est situé sur un pôle, si je peux m'exprimer ici, d'accord? Il y a le monde de ceux qui gouvernent aujourd'hui, et il y a le monde de ceux qui sont gouvernés. Et c'est une loi qui, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, soit vous sentez que vous gouvernez, soit vous sentez que vous êtes gouverné. Mais ce que vous devez comprendre comme leçon importante, c'est que le pont qu'il y a entre les deux mondes, c'est la décision, les pensées et les actions. D'accord? Ça veut dire que peu importe là où vous êtes aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le monde de ceux qui gouvernent, il y a d'abord une pensée que vous devez avoir. Pensez que vous méritez les grandes choses. Pensez que vous devez évoluer. Pensez que vous méritez mieux. D'accord? Prenez la décision d'appartenir au cercle de ceux qui sont dans le haut niveau. D'accord? Et commencer à agir comme quelqu'un qui veut être dans le haut niveau. D'accord? Parce que ce que je dis, c'est important. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où vous allez, par exemple, entendre qu'il y a la famine, il y a la pauvreté. Mais même quand on dit qu'il y a la famine, il y a la pauvreté, vous allez voir qu'il y a des gens qui roulent dans des voitures de 60 millions. D'accord? Et ils sont prêts à dépenser du carburant 30 000 francs par jour. Pendant qu'on dit qu'il y a la pauvreté dans le pays, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même monde. Ça dit quoi? On va te dire par exemple qu'aujourd'hui, les télévisions sont devenues chères. Il faut avoir peut-être 400 000 pour avoir une télévision, mais vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui achète 4 télévisions du sud. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le même monde. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'ai parlé aujourd'hui des deux mondes dans le monde. D'accord? Prenez vos responsabilités, décidez d'appartenir au monde de ceux qui gouvernent. C'était le message que j'ai à vous passer et je vous encourage à continuer à vous abonner massivement à la page Munuku Live de notre frère Christian. Sur ce, la vie est un choix et quand on choisit quelque chose, il faut toujours l'assumer. Soit vous décidez d'appartenir au monde de ceux qui gouvernent ou bien au monde de ceux qui sont gouvernés. Je vous remercie.